deux virtuoses de la guitare classique en symbiose. Annabel Montesinos et Marco Tamayo interprètent des classiques, Bach, Granados ou Rodrigo, mais ils revendiquent tout de même un côté plus pop. Nous aimons combiner la musique populaire à la musique classique. On joue dans plus tous les styles. On fait aussi naturellement des arrangements de musique populaire, comme elle a dit, de les Beatles. Comme on fait aussi musique romantique. Dans un style jazz musique du monde, c'était la toute première prestation pour le groupe Black Dunia, avec des textes en langue turque et bien évidemment un guitariste passionné. Elle a été fabriquée en 2013, c'est une construction lattice. Donc c'est, on va dire que c'est une espèce de grillage en carbone et qui permet en fait de solidifier la table devant. Le festival s'est construit une solide réputation car il touche à la fois le grand public et les puristes. C'est vraiment un festival de mélomanes, de gens qui aiment la musique, qui aiment la diversité et qui ont envie de découvrir la guitare, qui permet d'ailleurs aux gens de le découvrir sous différentes formes et facettes, et également aux spécialistes, parce qu'il y a des choses très pointues, mais très accessibles au public. La Brussels International Guitar Competition refermera ses portes mardi prochain.